Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC, j'espère que tout le monde va bien. Alors, ceci est l'introduction de ce petit live. Je prépare le micro. C'est parti. Salut la loutre qui est toujours quasiment toujours le premier à faire coucou. Merci à toi, ça fait plaisir. C'est salut Sébastien Mailleux, bonsoir. Alors ce soir on va faire de la découpe d'ailleurs avec un outil qui nous vient directement de chez la loutre Blotz RC Shop. Un petit scalpel de chez MR33. MR33 c'est la marque d'outils allemands. De chez Tony Sport, de chez Marc Reinhardt, la signature, multi-champion du monde. Sur multi-champion du monde sur Tamiya en touring 200, parce que Tamiya était plusieurs fois champion du monde. Et oui, ce n'est pas rien. Bon, comment ça va les gars? Alors ce soir, je découpe deux carrosseries. Les personnes à qui elles appartiennent passeront peut-être sur le live et se reconnaîtront peut-être. Ok, la Cougar remake pas avant septembre. De toute façon, en ce moment, tout prend du retard. Salut Snoop! La Cougar remake, tout à fait. Alors, hop. Je commence avec une caméra large et puis après, je mettrai le gros plan, mais le temps d'accueillir le monde dans le chat avec la caméra plan large. Bon, vous avez bien bossé aujourd'hui, une grosse journée de boulot. Il paraît que la canicule arrive la semaine prochaine. Bonsoir Eric Jansen, comment vas-tu? Je vais peut-être abaisser un peu le micro. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais ça va être mieux là. Voilà. Salut Black! Ah, est-ce qu'il y avait des trucs fabriqués en Ukraine? Je sais pas, j'ai jamais vu, mais Ukraine à part le blé. Ah merde, j'ai oublié de refaire un dessin de ce côté-là. Bon, je le ferai après. Alors, on va commencer par ces traits-là. Alors, j'ai décidé que c'était des traits ondulés façon dessin animé, avec des coups d'éclair dedans. Bon, pour l'instant, vous voyez rien. Et bonsoir Mickaël Barbu, bonsoir ADV Bruno. Alors, faut faire gaffe parce qu'à chaque fois que je regarde le chat, je perds mon trait de cutter. Donc là, après une journée de boulot, c'est la pause. La pause carrosserie. Bon, il y a mieux comme pause, hein. Mais bon, je trouve que au moins je suis pas devant un écran en faisant ça, même si j'ai allumé le live. Mais bon, j'ai pas les yeux rivés sur l'écran. Il y a des fois des designs qui me stressent ou qui sont trop chiadés.
Donc là, j'ai eu carte blanche. Faire quelque chose qui me plaît. Et comme on n'a pas tous les mêmes goûts. Ça va bien sinon, ça va bien et vous? On est parti pour un live de moins d'une heure. Je peux pas vous dire exactement. Ça dépendra quand madame rentrera. Alors pour l'instant, les personnes pour qui sont ces carreaux ne sont pas encore passées. Et c'est bien, merci, parce que je vois que vous êtes neuf, c'est normal, hein, j'ai pas prévenu. C'est une heure assez proche des repas. On va continuer là. Alors pour vous voyez un petit peu, je passe 2 secondes sur le plan portrait. Portrait. Non, c'est pas ça. Bonsoir Philippe Ferré, salut à toi. Sympa le live de dimanche et dire que j'ai manqué ça. On est quel jour là? Mercredi. Oula, c'était quoi dimanche? J'ai fait un live dimanche? Ah oui! Ah bah oui, au RC Park. C'était totalement improvisé. Parce que j'avais pas pris de caméra pour aller au RC Park. Et puis là-bas, je me dis, putain, c'est quand même con de rien faire, quoi. Et puis du coup, je dis, allez, tiens, je vais peut-être essayer de faire un live depuis mon téléphone, chose que j'avais jamais essayé de faire. Et puis, bah, au final, c'est vrai que l'image était pas mal du tout. J'ai re-regardé, même le son, j'ai interviewé les gens. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas de thermique, j'étais pas gêné pour faire des interviews. À part si, il y en a un qui a mis Xavier qui a allumé le compresseur pendant que j'interviewais quelqu'un. T'es là, tac. Dimanche, je participe à la course de DTM dans mon club, le 77, avec une cinquantaine d'inscrits en F1. Ah bon? D'habitude, il n'y a jamais personne en F1. Maximum 5 personnes sur les courses que j'ai pu voir, moi. Après, ce n'était pas des grosses courses. Traction, jeune et DTM, 17,5 et 13,5. Ah oui, non, 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 c'est 77 tout compris. J'imagine que la F1, elle regroupe pas beaucoup de personnes. Je croyais que à la base, tu disais la F1. Je trouve que la F1 c'est beau à voir, mais ça n'a jamais plu particulièrement. Après, il y a trop de catégories en RC, c'est ce qui a toujours fait que pour les compétitions, ça n'a jamais été évident d'avoir du monde, puisque le problème c'est que les gens ont toujours voulu multiplier les catégories. L'avantage d'avoir plein de catégories, c'est que vous êtes à peu près sûr d'être en finale A. Bonjour Drigger Cyan. Salut Tom05 et qui d'autre? Ben, je crois que j'ai salué tout le monde.
Comment allez-vous? 5 en F1, bah tu vois, c'est toujours à peu près des chiffres comme ça. Trop de catégories fait que, bah, dommage pour le spectacle. Aujourd'hui, j'ai pu regarder, pendant que je bossais, je regardais sur mon deuxième écran la finale du championnat d'Europe Bulgare 10e en 4-2. J'ai regardé la finale B, la finale A, il y avait les Français. En finale A, il n'y avait pas de Français. En finale B, il y avait Noah Ben Mohamed. Et en finale C, il y avait Clément qui a gagné sa dernière finale facilement, Clément Boda. Mais le niveau en finale A, c'est beau à voir en fait quand on a beaucoup de pilotes, ce qui fait que du coup on réunit les pilotes par niveau. Et c'est beau à voir, magnifique. Parce que les pilotes ont le même niveau. Question toute bête, je vais peindre une caro de OVS2, le flacon de liquide masse, je suis prends quoi en contenance? Le plus petit que tu peux, il existe, ça dépend de quelle marque tu prends. Si tu prends le liquide masse BT Design, il y a deux contenances, il y a la grande et la petite. La petite, ça doit être 30 centilitres et la grande, c'est 1 litre. Je te déconseille 1 litre parce que si tu peins pas beaucoup de carreaux, il faut savoir qu'une fois que tu as ouvert, à chaque fois que tu ouvres quelques secondes le bidon, il y a comme des grumeaux qui se forment à l'intérieur pour l'utilisation d'après. Donc en gros, il faut l'utiliser. Si tu dois l'utiliser en 10 fois, la 10e fois, au bout de 5 fois, tu n'y arriveras plus, quoi. Après, tu prends 1 litre si tu peins plein de carreaux, quoi. Mais avec un de 30 centilitres, tu vas déjà pouvoir faire plusieurs carrosseries. Voilà. Sinon, tu prends 1 litre, tu fais ta caro et tu offres le reste à Tony. Ouais. C'est. En ce moment, je peins pas trop. Donc, j'en utilise un peu moins que j'en utilisais là il y a quelques mois. Mais ouais, avec un bidon de. Les petits bidons, je sais pas si c'est 1 demi-litre ou 5, ou 30 centilitres. Ouais. Ça doit être 1 demi-litre quand même. Ouais, je dois pouvoir enduire une petite dizaine de carreaux, un huitième, quoi. Non, non, mais t'embête pas, ça c'est. Je serais plus gêné qu'autre chose.
Et t'as vu Monsieur Laloutre, Michal Orlowski, le pilote polandais, j'allais dire. Polande. Le polonais. Il a encore fait un très bon résultat au championnat d'Europe. Lui, il est vraiment bon en toutes les catégories, ce gars. Voilà. Alors ça, je sais plus ce que je vais mettre, mais je pense que je vais commencer à enlever le masque. Voilà, la caméra a été mal. La caméra a été mal centrée. Il est bon, oui. Après, c'est son. Ah, d'accord. Moi, ouais, je me doutais hein, que ça devait être un méga pro parce que. Qu'est-ce qu'il est bon, lui. Par contre, je sais pas si Bruno Coelho. Il était encore sur son. Il était mal concentré. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il était en finale A, mais plutôt en fond de finale A, ce qui est limite étonnant. Alors, comme il venait de gagner championnat d'Europe en piste touring à un dixième, je me dis peut-être qu'il était encore mal préparé, peu concentré, je sais pas. Parce que limite, pour lui, c'est peut-être pas un super résultat, quoi. Parce qu'il est même pas sur le podium, quoi. Alors qu'il a déjà été champion du monde en buggy. Salut Vincent, comment ça va? 20, 20. Championnat d'Europe en touring, ça a été des résultats litigieux. Ah bon? Pourquoi il y avait la Loutre qui a triché? En train de faire des bons chez toi. Ah merde alors. Pourquoi ça veut pas? Ah, j'ai vu Xavier au RC Park qui m'a dit qu'il avait acheté le Hobbywing G4 chez toi, monsieur Laloutre. Que tu lui avais fait une petite vérif aux petits oignons. Il était super content de tes services. Alors,
Bonsoir, French Gâchette. Comment ça va? Tu dois être un bon pilote pour oser t'appeler la French Gâchette. Je te conseille de lire le dernier live de dernier statut de Volker. En tout cas, c'est vrai que j'ai vu sa tête sur le podium, enfin en tout cas à côté du podium. Il tirait la tête, Volker. Volker. Sur Facebook, son statut. Je vais regarder, hein. Je crois que. Je me demande s'il n'est pas dans mes amis. T'as partagé. Alors, Facebook, ça ne veut pas charger. Des litiges sur les pneus, demande Bruno. Alors, Volker. Ronald. Ronald. Jeune. Ronald Volker. Alors, je suis pas ami avec. Ah bah, je peux pas voir. Dommage. Sur la page A. Ah bah je trouve pas sa page. Ronald Volker, j'ai tapé et Ronald Volker travaille chez Mugen. Ah, c'est Ronald Volker RC. Bah j'étais pas abonné. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je vais vous abstenir de mon super accent. Ah, merde, le poste est très long. Oui, je peux pas vous lire tout ça là, il y a un méga paragraphe. Waouh, waouh. Ah ouais. Ah ouais. Pop, 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 pop. Ah ouais, non, non, mais là, il y en a pour 1 heure à tout lire. Hein. Ok. Bon, ben. Je lirai ça plus tard. Il y a trop à lire. Ouais, a priori, j'ai juste vu que. Bah, je me demande si c'est pas lui qui avait explosé sa voiture. Ah non, c'est Marc Reinhardt qui se plaignait. Il y a ses pneus. Les pneus de Marc Reinhardt ont explosé et du coup il a cassé sa voiture. Et a priori il y avait du monde avec les pneus explosés. Et puis moi j'ai oublié de me mettre dans le Discord en plus. Hop, je me mets en vocal dans le Discord, j'avais oublié. Ah, j'ai oublié de faire ce dessin là là et de finir celui-là là. On va déjà découper celui-là. Ah bah si on demande à Rémi une traduction, on l'aura pas tout de suite, hein. Faudra attendre quelques années.
fois quand ça descend. Voilà. Pour beaucoup et très très peu de X-ray bizarrement. Au premier run, les pneus explosés. Ah. Ouais, je vois pas pourquoi des pneus pas X-ray explosés. Enfin, je sais pas, faudrait que tu expliques là. Mais... Ça me paraît. Pour moi, c'est juste une question de. Qu'il faisait trop chaud. Ah, je dis ça, moi je vois ça d'un œil de très loin. Et en plus, j'ai pas vraiment suivi. Alors, pneus UDI, beaucoup de pilotes explosés leurs pneus sauf les X-ray. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Je sais pas comment ça s'organise sur un championnat du monde. C'est pas tiré au sort, ces trucs-là. Hop, j'avais coupé le son quelques secondes. Bonsoir à tous ceux qui arrivent et qui n'osent pas dire bonsoir dans le chat. N'hésitez pas. Bonsoir Thomas ou Thomas. Thomas, comment ça va?
Tony, c'est bientôt le concert d'Indochine, c'est samedi soir au Grand Stade de Lille, stade Pierre Mauroy. Samedi soir, j'y vais avec mon fils. Alors, je suis pas spécialement un fan d'Indochine, hein, pas du tout. C'est juste que j'ai vu que j'ai je, on va quasiment jamais dans des trucs comme ça et on j'ai proposé à mon fils et puis il a dit ok. Donc comme en plus il fait de la guitare électrique chez Indochine il y en a pas mal, bah, ça lui permettra de voir un gros concert dans sa vie d'un groupe. Alors j'ai pas, il me reste quelques traits à faire au cutter. Et j'ai pas de stylo. Alors, on va repasser en caméra comme ça. Parce que, voilà. Alors, moi j'avais oublié de dessiner un truc. Pas trop gros non plus. Et j'ai oublié ça aussi devant. Salut Alain, c'est RC Genève, comment vas-tu? Alain Wolverine. Ça va être son nouveau pseudo, Alain Wolverine. Un point à peu près ici. Et là, le point du dessus plutôt ici. Et puis là, on va direct ici. Voilà, encore deux traits à faire. C'est l'heure d'aller au boulot. Ah, courage à toi, Philippe. Ah là là. Ouais. Moi, c'est bientôt l'heure de manger. Donc, comme je l'avais prévenu hein, quand j'ai lancé le live tout à l'heure. Madame vient de rentrer. C'est elle qui prépare à manger à la maison. C'est comme ça ici, c'est les habitudes. Ce midi, c'était moi. Là, j'arrive pas bien à voir ce que j'ai fait de l'autre côté. Ah là, déjà, j'avais été un peu moins loin. Et à peu près là. Grave. Bon, il n'est pas passé l'homme pour qui est destinée cette carrosserie.
Alors, Alain. Voilà, donc là je vais pouvoir finir mes dernières découpes de cette carreau-là. Claro que si, qu'est-ce qu'il raconte là? Alors, on va enlever ça. Je vais surtout faire une vidéo de mes déboires. Merci pour les infos. C'est vrai qu'on a eu les infos grâce à Monsieur Laloutre et les infos RC. Ben là, j'ai pas découpé au cutter, donc si j'oublie, ça ne peut pas marcher. Voilà. Allez hop, dernier coup de cutter dans cette carreau. Ah, c'est pas évident, hein, Bruno, de faire des vidéos. Quand on veut faire des vidéos avec un vrai reportage, du coup, on est plus la tête dans les plans vidéo que dans son réglage châssis. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand je suis trop dans mes réglages châssis, je pense plus à faire des vidéos. Ou quand j'y pense, bah, c'est quand tout le monde remballe ses affaires le soir. Ce qu'on a souvent pu constater dans mes vidéos, c'est que je commence à faire une interview d'un gars.
Et on voit bien que tout le monde derrière est en train de remballer. C'est quoi ce merdier là? Bon là, je crois que j'ai tout découpé. Cette carreau est prête. Allez, on attaque la deuxième. Carreau pour un Hobitek, la deuxième. La première, c'était une carreau pour un Mugen. Récent, moderne cette fois. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que je vois rien. Allez, c'est parti, tour de vitre. Donc deux designs là qui n'ont rien à voir. Alors ces deux carreaux sont pour deux habitués de la chaîne Tony RC. Je dirais même des grands habitués. Mais ils ne sont pas présents dans le chat aujourd'hui. Un tour de vide défait. On va attaquer celui-ci. Et celui-ci est fait. Salut Tony! Hey, salut Alain! Maintenant, je croyais que tu faisais à manger. Ben, j'ai. Tu vois, j'écrivais dans le chat, puis j'ai toujours pas commencé. Bon, après, si on n'entend pas toutes tes casseroles, c'est pas gênant. Non. Parce que. Si je commence à couper des trucs, je basculerai mon micro sur off. Parce que moi, ma femme, quand elle est dans la cuisine, je peux te dire que ça fait du bruit. Non, pas moi. Bonsoir Mathieu Rodrigue. Ton message a été effacé, donc j'ai pas vu ton message. C'est effacé par le bot, alors pour quelle raison, je ne sais pas. J'espère que c'était pas une insulte. Va bien, Tony. Eh ben écoute, on se détend en cette fin de journée en faisant du design et de la découpe de masquage. Avec deux designs très différents. Salut tout le monde, dit Mathieu, bonsoir à toi. Hop. Salut Mathieu. Ah, j'ai pas eu. Salut Steph. Et Steph qui vient seulement d'arriver, d'habitude il est toujours là, c'est le résident, je dirais même. Ils sont deux, ils dorment dans le chat, dans le Discord, Ah ben là, ça c'est fait. Steph et Rémi. Ça fait trois quarts d'heure, une heure, bientôt une heure que je suis en live, trois quarts d'heure, et non, ils étaient pas là, donc c'est la première fois de ma vie que je vois ça.
les résidents qui sont absents. Ouais, mais c'est trop tôt là. Ah, c'est ça, c'est C'est la je deuxième fois de suite que tu fais un live pour un Is Order pas. Il faut surprendre les gens. C'est ça. Mais après, tu les perturbes. Faut savoir qu'on est dans une société qui. Qui aiment les habitudes. Et dès que tu leur donnes des habitudes, hein, c'est dur hein, après. Hein. Comme ça, je laisse la possibilité à des gens qui se couchent tôt de pouvoir voir un peu du live. Voilà. C'est bien, c'est bien. Parce que sinon, à une époque, j'étais réputé. Ah non, tenir, c'est. Ah non, je peux pas aller live, c'est trop tard. Moi, je travaille. Ah ouais, quand ça commence à 23h, c'était chaud, quoi. Ouais, bah j'ai fait ça à une époque. Je crois que j'ai même une fois où j'en ai pour commencer après Toute minuit. la fin de l'année dernière, on était tout début 23h, fin 2h, quoi. C'est vrai. Alors Stéphane, c'est toi qui dis ça? On a une vie de famille. T'as un petit fiche de moi ou quoi? C'est quoi? C'est Stéphane? toi qui es sans arrêt dessus, puis qui tous les week-ends t'es full sport. Eurosport et Canal+ sont en panne chez toi? Eurosport et Canal Plus à gogo, c'est du 24h sur 24. S'ils faisaient une chaîne live. Non, mais il doit avoir une panne, c'est pas possible. C'est en fait, ouais, il a une panne. Dit, ah, en fait, j'ai une famille, tiens. Pourquoi Black, t'as 23h, tu travailles tôt? Ou de nuit peut-être, je sais pas. Non, mais il y a Comme beaucoup de gens Philippe, là, qui. comme Philippe qui va commencer le travail, là, t'es Ouais, sûr. bah après lui travaille la nuit. 20h. Mais quand tu. À quelqu'un qui commence à 8 ou 9h le boulot et qui a de la du des enfants à s'occuper le matin ou des choses comme ça, Ouais. c'est sûr que c'est pas facile, hein. C'est ça. Moi, je suis sorti de ça, mon fils, il commence à être totalement autonome. Normal, il a 13 ans et demi, hein. Faut juste que je l'engueule de temps en temps, c'est tout. Ah ouais, il se lève à 5h. Ouais. Salut Kagami! Salut Kagami. Ouais, parce que moi, mon Enfin, fils, re-bonjour. si je dis Je te rien, dis mon fils, bonjour il parce passe que. son temps sur des du genre où il voudrait passer son temps sur TikTok, tu vois. Super. D'ailleurs, je voudrais faire Ouais, un c'est sondage. clair. Est-ce que vous pensez que TikTok, Levis. c'est intéressant? Tu trouves? Non, c'est un sondage que je vous demande. Ah, moi non, j'y vais pas du tout dessus et je suis pas sûr, j'aime pas trop le principe. Après, il faudrait que je regarde des sujets qui m'intéressent, comme il y a. C'est qui? C'est Something qui a sa chaîne TikTok, donc. Faut voir, ça peut être. Je sais pas. Si je dois commencer quelque chose, c'est peut-être Twitter, mais pas TikTok. Twitter, c'est vrai que c'est très pour les gens qui aiment bien donner leur état d'esprit en l'écrivant. Tu dis TikTok? Non, Twitter. Twitter, ouais. Bah écoute, moi j'aime bien, en fait, j'arrive mieux comprendre en fait la différence réellement. Quand on est en dehors des jeux vidéo, des lives de jeux vidéo, hein, c'est quand je vois ben, l'équipe de Ici Japon Corp que je suis, que ce soit à travers de ce Tev Ici Japon là, et puis ben, sa société au Japon, où ils étaient à fond sur YouTube, et puis maintenant ils sont un peu passés sur, enfin ils sont passés sur Twitter. Et en fait, il y a pas mal de gens qui reprochent, en fait, c'est là où tu habitues les gens à un certain,
certaines choses. Les vidéos, elles duraient 45 minutes. Après, elles ont commencé à durer une demi-heure parce qu'il y avait peut-être moins de contenu à mettre parce qu'en fait, ils filmaient une semaine de vie de l'entreprise, en fait. D'accord. Et puis là, maintenant, au lieu de filmer comme ça la vie de l'entreprise lors d'une vidéo fermée, eh ben, ils font des lives Twitter, puis ils se réunissent, alors ceux qui veulent être filmés, bien sûr. Et puis, bah, ils parlent de la société, ils parlent de leurs trucs qu'ils font la journée, et en tant que YouTubeur, Instagrammeur, ce genre de trucs, c'est très intéressant. Et en fait, c'est vrai que c'est une discussion. Ouais, c'est presque un talk en fait sur Twitter comparé à YouTube, quoi. C'est pas mal. Salut McFly. Eh ben dis donc, ça fait longtemps. C'est McFly. Et Carlito, il vient quand? Alors, attends, dit Black. Tout à fait, t'as tout à fait raison, Bruno. Eh ben, dis donc, vous êtes des lève-tôt pour le boulot, là, Kagami et puis Black. Bon, moi, Oh je là me là, lève une heure 5 plus heures. tard, mais. 5 heures. Moi, je me lève à 6 heures, enfin. Entre 6 heures ou 7 heures, ça dépend. Télétravail, je me lève à 7 heures. Si je dois aller sur site, je me lève à 6 heures. Black connaît pas TikTok plus Instagram. Ouais. J'ai juste créé mon compte TikTok là l'autre jour. Mais Tu veux mettre des trucs dessus? non, c'est pour regarder un peu pour mieux comprendre ce réseau. Ah Ne ouais. serait-ce Ouais, c'est que vrai que je devrais faire pareil. Ouais. parce que mon fils me tanne avec ça. Et le peu que j'ai vu, ça me donne pas du tout envie de lui donner accès. En tout cas, moi c'est sûr que j'ai mis Twitter, Twitter, TikTok, Ouais, mais. je. Attends, ça fait 3 heures que je parle de Twitter alors que je veux dire Twitch. Ah! N'importe quoi. Ah, d'accord. N'importe quoi. Ouais, J'avais du mal à je. comprendre ce que tu dis. Tu parles d'un talk Ouais, show non, mais je alors que je comprends me disais le désarroi, quoi. Twitter, c'est Oui, que du non. texte. Hein. Ouais, attends, parce que j'allais te dire que le seul truc que je ne regarde plus à part pour. J'y suis encore pour certains trucs, c'est Twitter. C'est tellement de la merde. Je le garde juste pour les annonces de maintenance de Bungie pour Destiny. C'est tout. Ok, j'arrive. Bah en plus ça tombe bien, je crois que j'ai fini mon dernier coup de cutter. Mais pourquoi c'est trempé par terre? Ah bah à ton avis, qui c'est qui a fait joujou avec de l'eau? Pourquoi tu l'as enlevé? Non, Digger va se coucher quand c'est on va marqué. Attends, travailler. Ah bon, c'est bah, marqué en live. travail de nuit. Bonsoir Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Ah bah non, il me reste deux petits trucs à découper là que j'avais oublié. Info, je n'ose pas couper. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, Stéphane? Ton compte CI, c'est quoi ton compte CI? J'ai pas compris. Mon compte CI. Pour info, je n'ose pas couper mon compte CI. Non, je vais encore être obligé de recréer un compte Discord. C'est bizarre. T'es bizarre avec tes réseaux, toi, Stéphane. C'est quoi CI? Je sais pas. C'est LCI? Non, c'est pas ça. C'est le Crédit Lyonnais? Eh bien voilà mes amis, alors par quoi je vais commencer celle-ci?
On commence. Allez, je vais déjà enlever la partie très foncée. Qui va être du. Ah, c'était la Caro Obitech de Rémi. Celle-là, c'est une Obitech pour Rémi. Et l'autre, c'était la Mugen pour Manu du 51. Qui m'a demandé une Caro. Alors qu'il a gagné l'aérographe l'année dernière, hein, au concours des 3000 abonnés. Ouais, mais il voyait que t'avais pas assez de boulot, donc voilà. Je crois que... Voilà, donc là je vais commencer par des effets noirs et gris. Avec du gris gun et du noir. Parce que le but de cette carreau que Rémi désire, c'est des couleurs VS Line. Alors j'avais déjà fait une carreau couleur VS Line. Mais t'as là, déjà fait une, ouais. Ouais, mais là j'ai fait encore. Là on va être encore plus dans le look. À part qu'il faudra plus juste rajouter les lettrages VS Line s'il a envie. Salut Guillaume uh-huh. Darzix. Mais contrairement à Yann, je ne veux pas commencer à passer 40 heures sur une carreau. Voilà. Top. Comme dit Jean-Pierre, pensez au pouce, les gars. Voilà, bon, et bien écoutez, mon fils et ma femme viennent de m'appeler pour aller manger. En plus, ça tombe bien parce que moi, j'ai les deux carreaux là sont prêtes à attaquer, à peindre. Alors, du coup, je me tâte parce que ce soir, j'avais dit que je faisais un début de montage 1-4-2, Tamiya. Mais je sais pas, est-ce que je commence ces peintures là je me tâte. C'est soit ce soir. Je fais pas de live, soit je fais un live peinture, soit je fais un live montage. Bon voilà, je vais tirer. Ah t'as... Ouais. Quoi ? Ah, moi je prends plutôt l'option 2 et 3. Que pas de live. Voilà. Bah c'est toujours possible hein, que j'en fasse pas. Ça dépendra parce que je sais que ma femme elle a plusieurs sujets à me parler importants. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure, bon appétit, mangez bien et peut-être à tout à l'heure. Merci. Allez, ciao à les gars. À toutes, ciao ciao. Salut.